Ça, c'est un blob. De son petit nom latin Physarum polycéphalum, de la famille des myxomycètes, on est sur un animal qui est un cousin des champignons, mais qui a la petite particularité d'être ni une plante, ni un animal, mais vraiment quelque chose d'unique. Il a la particularité d'être un organisme unicellulaire, qu'on supposerait donc être microscopique. Toutefois, il a plusieurs noyaux, ce qui lui permet de s'étendre sur des tailles assez importantes. C'est un petit animal qui est donc capable de se déplacer dans la forêt à vitesse époustouflante de 1 à 4 cm par heure, et en laboratoire, nous avons même réussi à le faire grandir jusqu'à des tailles de 53 mètres de long. Il va principalement se nourrir de champignons, de bactéries et de microbes qu'il va trouver dans des milieux humides et dans des milieux très ombragés, comme par exemple dans les sous-bois, dans les forêts qu'on va retrouver sous les feuilles mortes et près justement des branches mortes d'arbres.